Le député de la Haute Bagno à Dindi, Edgar Anissé Mboumbou Miyakou, a séjourné récemment dans cette circonscription politique. Une série d'échanges axés sur les élections à venir, la prise en charge par la CNAMGS des populations et autres points liés au développement du département ont constitué le point d'achoppement du séjour. Le récit de Paulin Siaki. En séjour dans la Haute Bagno, le membre du bureau politique Edgar Anissé Mboumbou Miyakou s'est fait fort d'échanger avec les populations de cette partie de la Nyanga sur l'essentiel de ce qui contribue à leur mieux-être. L'État a beaucoup de charges. L'État doit s'occuper de près de 3000 villages. C'est le nombre qui est recensé pour tout le pays. Donc, l'État ne peut pas faire pour tous les 3000 villages en même temps. Mais petit à petit, ce que nous souhaitons, c'est que nos préoccupations soient entendues par celui qui gère le pays. Et celui qui gère le pays, c'est votre fils. C'est celui qui gère le pays, c'est un pédégiste. Celui qui gère le pays, c'est Ali Bongo Ondimba. Au nombre des points débattus à l'actif de son séjour ninois, le compte-rendu parlementaire l'invite aux populations à se faire inscrire sur les listes électorales et la CNAMGS entre autres. Hier, c'était de l'argent qu'il donnait et l'argent, comme il le disait, ne permettait pas aux gens de s'attraper quelque chose. Aujourd'hui, la pensée à mener des vivres, et c'est vraiment quelque chose de salutaire à mon avis. L'élu ne partira pas les mains vides. Les auxiliaires de commandement ont bénéficié de plusieurs présents. Sur la même lancée, toutes les populations des villages de la contrée se sont également vues offrir des produits alimentaires.